Soit x un nombre positif. Simplifiez l'expression 3 fois racine carrée de 500x au cube. Alors ça c'est une expression avec une racine carrée et un nombre, donc c'est du calcul littéral, avec un nombre ici qui est une variable élevée au cube. Alors avant d'aborder l'exercice vraiment proprement dit, je voudrais qu'on se penche un peu sur cette phrase-là, soit x un nombre positif. Pourquoi est-ce qu'ici on nous dit que x est un nombre positif et en fait, c'est parce que, comme tu le sais, on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Et ici, si x est négatif, si x, est négatif eh bien x au cube va être négatif aussi. Hein. Ça, tu peux t'en rendre compte en prenant n'importe quel nombre négatif. Par exemple, je vais prendre moins 2 et je vais l'élever au cube. Moins 2 élevé au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Et là, tu vois qu'en appliquant la règle des signes, j'ai moins fois moins qui donne plus. Encore une fois, multiplié par moins, ça va donner moins. Donc ce nombre-là, eh c'est un nombre négatif. Et je peux calculer sa valeur en multipliant ici ce qui reste. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Donc moins 2 élevé à la puissance 3, c'est égal à moins 8. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que quand on part d'un nombre négatif et qu'on l'élève au cube, on obtient un autre nombre négatif. Donc effectivement, si x est négatif, on ne pourra pas prendre la racine carrée de 500x au cube. Donc c'est pour ça qu'on nous fait cette précision-là, que x doit être un nombre positif. Alors, je te laisse travailler un petit peu tout seul sur cette expression-là, pour la simplifier. 3 fois racine carrée de 500 fois x au cube. Une petite indication, il faut que tu utilises les propriétés de la racine carrée. Je peux te donner par exemple une propriété qui va forcément être utile. C'est celle-là quand tu prends la racine carrée d'un produit de deux nombres, a fois b, eh bien c'est la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Voilà je pense que ça ça va te servir. Alors à ton tour et puis à tout à l'heure. Alors, effectivement, je vais réécrire cette expression-là. Donc, je vais la réécrire ici telle quelle. 3 fois racine carrée de 500x au cube. Et puis maintenant, je vais me servir de cette propriété-là pour simplifier un petit peu cette expression, déjà. Donc, je vais dire que la racine carrée de 500 fois x au cube, en fait, c'est 500 fois x au cube. Donc, je vais pouvoir écrire ça comme ça. Alors, je remets le 3. Et la racine carrée ici, je vais la. La couper comme ça, hein. donc c'est racine carrée de 500 fois racine carrée de x au cube. Alors maintenant il faut qu'on arrive à simplifier ces deux racines. Je vais m'occuper déjà de celle-là, hein, de racine carrée de 500. En fait, il faudrait essayer d'exprimer 500 comme. Un, quelque, un nombre élevé au carré ou bien un nombre multiplié par un autre nombre élevé au carré. Et comme ça, on pourra utiliser une, une autre propriété qui est celle-là. C'est que quand on prend un nombre A positif ou nul, la racine carrée de A élevé au carré, eh c'est le nombre A. Alors je vais déjà m'occuper de ce terme-là, racine carrée de 500. Alors ce que je vais faire, c'est dire que déjà 500. 500, eh bien c'est 5 fois 100. Ça, ça me paraît assez facile à voir. Et là, bon, je vais pouvoir utiliser toujours cette formule-là racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc racine carrée de 500, je peux dire que c'est racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 100 alors là, il est probable que tu reconnais déjà que 100 c'est 10 fois 10, donc c'est 10 élevé au carré. donc finalement, racine carrée de 100, eh bien ça fait 10. donc ça, en fait, c'est racine carrée de 5 fois 10. ça, c'est parce que 100 c'est 10 élevé au carré. alors là, j'ai supposé que tu avais immédiatement vu que 100 était égal à 10 élevé au carré à 10 fois 10. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours décomposer 100 en, en facteur premier. Hein. Alors je peux le faire rapidement ici. 100, eh bien, c'est je divise par 2 autant que je le peux, donc c'est 2 fois 50. Ensuite, 50, je peux encore le diviser par 2, ça va me donner 2 fois 25. Et puis ici, 25, je ne peux pas le diviser par 2, mais par contre, je peux dire que c'est 5 fois 5. Donc finalement, tu vois que 100, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 5. Donc 100, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 5. Donc ça fait 2 fois 5, c'est-à-dire 10, multiplié par 2 fois 5, c'est-à-dire 10 encore. Donc on trouve effectivement que 100, c'est 10 fois 10. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse pour te rappeler que si tu n'arrives pas à décomposer, enfin si tu ne vois pas tout de suite une décomposition pratique de ton nombre, tu peux toujours passer par la décomposition en facteur premier c'est très utile. En tout cas, ce nombre-là, du coup, c'est racine de 5 fois 10. Je vais l'écrire plutôt comme ça. C'est donc 10 racine de 5. Et maintenant, je vais m'occuper de ce terme-là, racine carrée de x au cube. Alors, x au cube, je peux dire que c'est x fois x au carré. Hein. Ça, si tu n'es pas sûr de ça, revois les vidéos sur les, sur les exposants, sur les puissances. Et du coup, ça veut dire que racine carrée de x au cube, et eh bien c'est racine carrée de x fois racine carrée de x au carré. et racine carrée de x au carré, et eh bien c'est x. Et ici x est positif. donc racine carrée de x au carré, eh bien c'est x lui-même. Donc finalement racine carrée de x au cube, et eh bien c'est x fois racine de x. Voilà Alors maintenant je vais revenir ici et remplacer, ces termes-là par les résultats que je viens d'obtenir. Donc j'ai déjà le 3 fois racine de 500. On a dit que c'était 10 fois racine de 5. Donc je vais l'écrire en bleu. Fois 10 racine de 5. Et ensuite je vais multiplier par racine de x au cube qui est donc égal à x fois racine de x. Fois x fois racine de x. Voilà. Alors là, on a presque terminé. Je vais quand même réorganiser un petit peu le résultat et faire les calculs que je peux faire. Donc ici, j'ai 3 fois 10, ça, ça fait 30. 30 fois du coup racine de 5. 30 fois racine de 5. Et ensuite, j'ai x fois racine de x. Donc 30 fois racine de 5 fois x, je vais mettre un point ici, fois racine carré de x. Alors je peux même, pour que ce soit un peu plus joli, réunir les deux termes qui sont sous la racine carrée. Je vais réécrire ça comme ça. C'est 30 fois x fois racine carrée de 5x. Ici, j'ai juste utilisé le fait que racine de 5 fois racine de, de x, c'est égal à racine de 5x.